académique, comment différentes académies peuvent mettre en commun leurs compétences pour traiter une problématique définie. Je demande à Nicolas Grimal, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer, de me rejoindre, et Jean-Robert Pitt, secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences morales et politiques, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Nicolas Grimal, Jean-Robert Pitt, merci infiniment pour votre présence. Quel type de synergie à mettre en place? On vous apporte des micros. À quoi servent les synergies entre académies? Je vous donne d'abord la parole à Jean-Robert Pitt. C'est les micros qui... Ah bon, pardon. Ben, comme vous le savez, il y a au sein de l'Institut de France 5 académies, la française... les inscriptions et belles lettres, les sciences, l'Académie des Beaux-Arts et la toute dernière née, qui est l'Académie des sciences morales et politiques, créée à la fin du XVIIIe et disparue sous Bonaparte parce qu'on était des gêneurs, et recréée en 1832 par Guizot. Et puis il y a plusieurs académies nationales thématiques, l'Académie de médecine, l'Académie d'agriculture, l'Académie des sciences d'outre-mer, bien sûr, dont Nicolas et moi faisons partie, l'Académie des technologies, et il y en a peut-être quelques autres que j'oublie. Et il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, une bonne trentaine d'académies de province extrêmement actives qui font un travail formidable, alors plutôt à l'échelle régionale, mais toutes ces académies ont un point commun, c'est, je vais vraiment être très très bref, elles sont au service, un, de l'érudition, donc de la recherche tous azimuts et dans toutes les disciplines, et disciplines dialoguant entre elles, pas chacun enfermé dans sa propre discipline. Deuxièmement, la vérité scientifique. Nous vivons une époque où la pensée magique est en très grand progrès dans tous les domaines, et donc les académies, quelles qu'elles soient, sont au service de la recherche d'une vérité scientifique simplement exprimée et disponible pour le plus large public possible. Et nous sommes là aussi pour faire réfléchir les princes qui nous gouvernent et les cadres de ce pays et de l'étranger à un certain nombre de vrais problèmes du monde contemporain, mais non pas en essayant de les résoudre par des slogans, mais en essayant de les aborder au fond et de se dire avec optimisme, il y a d'énormes problèmes dans le monde, mais il y a aussi des solutions. Voilà en deux mots ce que je voulais dire. Je pense que Nicolas aura d'autres choses à dire. Nicolas Grimal, comment renforcer la synergie entre les différentes académies ? Je vais essayer de ne pas faire double emploi avec ce que vient de dire Jean-Robert Pitt, vu le long temps qui est à notre disposition. Je voudrais peut-être développer rapidement un autre point. Je crois que mon confrère a très bien montré qu'il y avait une capacité de synergies, une capacité de travail interacadémique à l'intérieur de l'Hexagone. Mais je voudrais évoquer un autre groupement, qui est le groupement interacadémique pour le développement, auquel participent, je salue mes complices là-bas qui sont contents que l'on parle de nous. Je salue cette action qui regroupe certaines des grandes académies. Enfin, grandes académies, ce n'est pas péjoratif pour les autres. Hein. Simplement, ce sont les principales académies, les sciences morales, la nôtre, etc. Et qui se sont attachées à travailler avec les académies essentiellement du pourtour méditerranéen. Et nous voilà de plein pied dans les sciences d'outre-mer, pour mener à bien des programmes à la fois de recherche et de développement, l'idée étant de créer des plateformes qui puissent réunir des scientifiques capables d'aider à la solution de problèmes, des décideurs capables de les mettre en musique et de les mettre en pratique, et des représentants de la société civile. Et cela couvre tous les domaines, de la médecine jusqu'à la recherche fondamentale. Donc vous voyez, vous trouvez là à peu près tous les thèmes qui ont été évoqués aujourd'hui, mais qui sont vus sous l'angle de ces académies. Car comme l'a très bien dit Jean-Robert Pitt,
le rôle des académies dans cette période aujourd'hui où la mémoire est courte et l'histoire est souvent oubliée. Notre rôle, c'est de montrer qu'il y a une continuité, qu'il y a une histoire, qu'il y a une vérité scientifique. Et donc, pour cela, il faut qu'il y ait un travail de mémoire. Et c'est ce travail de mémoire que nous mettons au service des sociétés. Que faut-il faire de plus pour continuer et renforcer cette synergie entre les différentes académies, Jean-Robert Pitt? Il faut se garder... Pour aller plus loin, si on se projette justement vers l'avenir. Il faut se garder des idées reçues, me semble-t-il. Et aujourd'hui, sur beaucoup de sujets qu'on a évoqués aujourd'hui, ou d'autres sujets encore, ce n'est pas la presse qui est seule responsable, mais elle est un tout petit peu quand même, parce qu'elle n'écoute pas assez les scientifiques, elle ne lit pas assez les scientifiques, qui eux-mêmes ne font peut-être pas assez d'efforts pour être lisibles par tout le monde. Mais on vit sur beaucoup, beaucoup d'idées reçues, sur un pessimisme général vis-à-vis de l'avenir et de la planète, de la biodiversité, de l'humanité sur Terre, de la démographie, de l'alimentation, etc. Il y a de vrais problèmes, et je le répète, nous devons nous attaquer aux solutions à ces problèmes et ne pas nous contenter de tirer la sonnette d'alarme, ce qui est trop fait dans les médias. Et malheureusement aussi, et je le dis, les académies ont peut-être un rôle à jouer dans ce domaine-là, dans l'enseignement secondaire. Le recteur Guerrero, qui est ici, accueille régulièrement dans cet amphithéâtre des membres de l'Académie des sciences morales et politiques qui viennent pendant une heure traiter une question d'un programme du secondaire en économie, en démographie, en philosophie, en géographie, en histoire. Et ensuite, il y a une heure de dialogue avec les élèves qui sont à peu près aussi, ou même plus nombreux que ce que vous êtes aujourd'hui, accompagnés par leurs professeurs. Et je peux vous assurer qu'on remet bien des pendules à l'heure en deux heures, que c'est une expérience passionnante. Donc les académiciens, comme tous les scientifiques, qu'ils soient du CNRS, de l'IRD, etc., doivent descendre dans l'arène, essayer bien sûr d'aboutir à des résultats, mais de les présenter le plus clairement possible à un large public. Et c'est ça qui est l'avenir de la science, me semble-t-il. Nicole. Nicolas Grimal, le mot de la fin, puisque cette table est chronométrée, mais vous êtes secrétaire perpétuel tous les deux, et j'aimerais savoir... Vous voulez rester perpétuellement sur cette scène. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre compréhension, pour ce timing. Il n'empêche qu'il est très important pour nous d'avoir votre regard sur ce que vous souhaitez à l'Académie des sciences d'outre-mer aujourd'hui pour son anniversaire. Nicolas Grimal, et ensuite Jean-Robert Pitt. Ce que nous souhaitons à nous-mêmes, puisque nous sommes tous les deux membres de cette académie. Bien sûr. Je voudrais, en guise de conclusion, peut-être, puisqu'on a agité des questions de société, des questions politiques, des questions d'économie, je voudrais simplement dire très rapidement quelque chose que les académiciens, les chercheurs, les scientifiques en général connaissent bien. Il existe une internationale de la recherche, du savoir, de la connaissance. Et il y a une solidarité internationale. Pendant les grandes guerres qui ont déchiré notre monde, la Première Guerre mondiale, la Seconde, et puis les autres guerres qui continuent, la solidarité entre chercheurs, entre universitaires, continue. Et cette solidarité existe entre académiciens. Nous vivons dans des pays qui ne se parlent plus politiquement pour certains d'entre nous. Le dialogue continue. Ce dialogue est extrêmement important. Parce que c'est souvent la petite fenêtre d'espoir qui s'ouvre dans des pays où il n'y a plus d'espoir. Et à cela, nous pouvons aussi être extrêmement utiles. Je crois que c'est dans ce sens-là, et nous sommes tous d'accord, et c'est peut-être ce que l'on peut souhaiter à l'Académie des sciences d'outre-mer. Elle est née de cette volonté de partage et d'échange. Et c'est là, si je devais souhaiter quelque chose pour le deuxième centenaire, je vous donne rendez-vous tous, bien évidemment, pour le deuxième centenaire, c'est de pouvoir continuer et prospérer dans cette direction. Jean-Robert Pitt. Alors, juste un mot. Je rebondis sur ce qu'a dit Mme Francine Toumi tout à l'heure en disant il faut que l'Afrique investisse dans la recherche, il faut qu'on mette de l'argent sur la table et qu'on ne soit pas uniquement dans une démarche de recherche de crédit en France ou dans les pays plus riches qui viendrait nourrir quelques chercheurs africains. Je pense que c'est fondamental. L'Afrique, comme beaucoup de pays
en développement doivent se prendre en main sur le plan de la recherche. Ce n'est pas de l'argent fichu par les fenêtres. C'est vrai qu'il y a des priorités gigantesques dans d'autres domaines dans tous ces pays, mais investir dans la recherche, c'est de l'argent bien placé. De même qu'il faut investir aussi dans l'enseignement, mais peut-être moins dans l'enseignement théorique que dans l'enseignement pratique, qui manque beaucoup à l'Afrique, mais ça c'est un autre sujet qu'on n'a pas peut-être le temps d'évoquer aujourd'hui. Mais en tout cas, l'investissement des pays africains, puisque vous êtes très nombreux les Africains dans cet amphithéâtre, doit être prioritairement placé dans la recherche. Merci infiniment pour votre participation. Je vous prie de bien vouloir applaudir encore nos deux secrétaires perpétuels. Précision, concision. Merci infiniment pour votre regard.